Hey, bonjour à tous, c'est Méronard et bienvenue sur ce nouvel épisode de Conan Exil. Donc je suis avec mon petit tigre qui me suit et on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce par là-bas. Donc pour l'instant je n'y étais pas allé parce que voilà, j'avais pas assez costaud, pas assez fort. Donc là, pour éliminer surtout ces bestioles-là, hein, ça va. Ça, no problemo. Par contre, les petites bestioles là, c'était pas la même. Il est où ce con? Est-ce qu'il est. Ah, il y en a un là-bas, bah, c'est peut-être lui. Non, il est là. On se les fait un par un quand même. On les prend pas deux par deux là, ceux-là. On se les fait un par un. Allez, il va arriver. Voilà, surtout, pas se laisser sauter dessus. Parce qu'ils vous font saigner ces petites bêtes. Allez, il est là, il est là, il est là. Le tigre aide bien quand même. Allez, putain. Ok. Ah, ça fait un peu mal quand même, hein. Hop. On va continuer, il y en a encore un là-haut. Alors, ça vous donne cela. Allez, cela, il vous donne. De la peau et du sang de démon. Du coup, la peau, je vais la mettre là parce que ça pèse un peu lourd. Du sang de démon et des glandes biliaires de bête des sables. Je pense que ça doit servir à quelque chose. Après, pour l'instant, je ne sais pas à quoi, mais ça servira. Allez, on s'en fait encore un ici. Et après, on rentrera. J'espère que dedans, c'est pas. Oh, putain, il y en a encore deux là-bas. Ah merde! Ah putain, en plus je saigne. Voilà. Allez, dépêche-toi, parce que là, du coup, j'ai ma vie qui part. Ok. Là, toi, tu restes là pour l'instant. Je me régène, parce que là-haut, il y en a deux. Là où il y en a deux. Pour lui, il se régène aussi avec la bouffe. Je vais pas me les faire les deux en même temps. Je vais essayer d'en choper un. Il y en a un qui arrive. Ouais, c'est bon. Non, n'y va pas. Ah, oh, putain. Attends. Il va me suivre. Voilà. Et l'autre, il arrive. Ah, oh, putain, merde, il y a les deux qui arrivent. Bon, bah, tant pis, on va se les faire. Hein. Merde. Non, pas toi. Allez. Bon, on va se faire les deux, hein, ma foi. On va essayer de. Sinon, on court. Ah putain, je saigne. Je sens que ça va. Oh putain. Allez, on se casse. Parce que là, sinon, je vais crever. Le temps de se régène. Le tigre va me suivre de toute façon. On y retourne dès qu'on a fini la régène. On a fini la régène. Allez, ça tombe bien, il y en a qu'un qui a suivi. Divisé pour régner. Ah merde, j'ai plus d'endurance. Saleté. Putain, ils font mal. C'est le tigre qui l'a eu. On va se refaire un petit coup de régène. Ok, c'est bon. Allez, on va se faire le deuxième. Il va pas être loin. Ah, ils font mal, hein. Ça fait pas du bien. Allez, il est là. Je sais pas, il y avait un machin qui s'est pris. Ok. Alors, ne pars pas. Ah, ben voilà, il était en train de se régénérer aussi. Non. Voilà. Ça tombe bien, j'avais plus d'endurance. Ok. Ça, c'est fait. Du coup, ruine balayée par le vent. Ok.
une spéciale. Du coup, le tigre, il est où? On va le laisser là. Tu cesses de me suivre. Et on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de cet endroit. Ça, c'est les sortes d'aliens. On va regarder un peu des deux côtés ce qu'il y a. Ok. Il y a d'avoir du vent en tout cas. Je regarde des fois qu'il y a des livres, des choses comme ça. Pour l'instant, je ne vois rien. Il y a juste beaucoup de sable, beaucoup de vent, visiblement. Ah, il y a un gars. D'accord. Ok. Nous attaque? Non. Petrosu, le fou des tempêtes des sables. Ok. Allez, c'est parti. Went wandering in a sandstorm. Eventually, a man happened along and said, "You mad fool, what are you doing in this sandstorm?" The mad fool replied, "Your turn to talk, fool." D'accord, ok. Stinging sands, singing, stinging, ringing sands, biting sands, biting sands, fighting, biting, smiting sands, exiled lands, reptile lands, exiled reptile, defiled lands. Okay. Seven prophets went to walking, bearing all their tricks. One was caught by Hanuman. And soon, it was only six. Six prophets went a-climbing to get above the hive. One was stung by locust's wings, and then it were only five. Five prophets went a-crawling beneath the city floor. One went mad with power, and soon there were just four. D'accord. Four prophets went a-dancing beneath the corpse fruit tree. One climbed up and stayed there, leaving just the three. Three prophets went a-fighting through the pirate's crew. One became a mutineer, and soon there were just two. Two prophets went a-wandering beneath the burning sun. One got lost in a sandstorm and left the other. One prophet went to gathering the artifacts of yore. Ah, nous y voilà. Put them all together and was never seen no more. Ah, c'est une façon peut-être de pour s'échapper. Walking around the desert listening to the sand whisper just isn't good enough. Strain the ears. Perhaps that's why so many of you are mad fools. Not right in the head for trying to listen to the silent sands. Here, here you can hear the sand shouting at you. When I stumbled into it the first time, all unaware, it simply whispered, "Welcome home." D'accord. The sandstorm is a living thing, summoned from the ether by foul sorceries, bound here by the same dark witches. It escaped the bonds of its masters eons ago, and knows nothing more than an ageless, nameless hunger.
seems to like me, though. You, not so much. I'm tired of conversing through this madman exile. I desire release from this plane of existence. Such is not within your power to grant without the Scourge Stone. La pierre du fléau. The Scourge Stone was shattered when I was unleashed upon the world. Each piece was lost to time. As I sweep across the exiled lands, I seek the pieces that would provide my liberation. And yet, though I touch all, I do not find what I seek. They are locked away in caves where the howling sands cannot reach. Ah, j'en ai déjà trouvé une. Passage, used by the Lemurians to wage war upon the one who unleashed me. Search the tomb of Galamon. Ça c'est fait. He once boasted to his friends as they quivered, caught in my wing, of the lucky stone that would be buried alongside. Search the eastern coastline, for the pirates whisper to one another of a stone that grants the captain wishes. Mm-hmm. Combine these pieces, exile. Recreate the Scourge Stone. Complete the Archivist's ritual. Only then can I return whence I came. Singing sand. Ok, si on continue à... Bon, bah du coup, ce qu'il faut, c'est... trouver les trois morceaux pour faire recréer la pierre du fléau. Et j'en ai déjà un morceau. Il y en a un autre qui se trouve visiblement là où il y a des pirates. Il y a un autre dans un passage sous terre. Là, du coup, je... Enfin bon, de toute façon, on va tomber dessus. Hein, on va explorer un peu tout. Donc on va bien finir par tomber dessus. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, on reprend notre petit... Ben, écoutez, hein? Ben là, du coup, il n'y en a plus. Ben, du coup, on va aller partir un petit peu en exploration. Donc, oui, j'étais parti. Ah, alors. This temple serves as the home of the Scourge Stone, bonded one. Here you will spend your days in service to the divine element and the one who protects it. It is a great honor to you. And to all your kind, that we allow such access to our most holy sites. Mm-hmm. Be thankful, slave, for the alternative is a screaming death on a bloody altar. D'accord. Ok, bon. Ma foi. Bon, pour l'instant, ça, je la garde pas, en fait. Parce que je sais pas trop à quoi elle pourrait me servir. Bon, bah du coup, oui, j'avais dit que... Alors, sur la carte, j'ai pas beaucoup exploré, donc, dans ce coin-là. Ici, dans ce coin-là. Et là. Et puis, il y a des îles, ici, donc, à voir. Et après, bah, on commencera... On n'a pas encore fini, hein, on a tout ça à faire. Il faut que je retourne ici... Il faut que je retourne sur cette crête là pour aller chercher la pierre stellaire. Donc on verra ça, je pense pas dans cet épisode, hein, ni peut-être dans celui, dans le prochain. Mais on va faire ça assez rapidement parce que du coup, au niveau des armes, je pense que d'avoir de la pierre stellaire, ce sera un grand plus. Ce sera un grand plus. Parce que là, pour l'instant, les armes que je fais... Elles sont... Ouais, c'est un peu moyen, quoi. C'est un peu moyen pour certains... Enfin, pour les boss, ça craint, quoi. Je leur enlève que dalle. Il faudrait que je leur enlève beaucoup plus de points que ça. Parce que du coup... en 2-3 coups, ils me zigouillent. Puis moi, il faut que je leur en mette 50 pour que ça le fasse. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, on se retrouve rapidement. J'ai trouvé un autre endroit où il y a des panthères noires. Donc c'est ici, donc il y avait celui-ci, à cet endroit-là, la descente de Dagon. Et ici, visiblement, il y en a, je vois un couple de panthères. Et on va regarder s'il y a des petits.
Est-ce qu'il y a des petits quelque part? Oh, mais il y en a plein. Pour l'instant, j'ai pas vu de petit. Ah non, ça c'est pas. Ça c'est une grosse bestiole. Ah, pour l'instant, j'ai pas vu de petit là. Hein. Bon, bah écoutez, je continue à explorer et puis je reprends de toute façon au fur et à mesure dès que je vois un truc intéressant. Ouh là, je reprends parce que j'arrive dans un endroit un peu bizarre. Je suis ici. Ah, d'accord, je vois. C'est araignée et compagnie. J'aime pas trop ça. Du coup, c'est quoi les bestioles qu'il y a dans le coin? Bois soyeux, d'accord. Bois soyeux. Ah bah tiens. Ok, on va boire un coup déjà. Ça s'appelle pas bois soyeux pour rien, je pense. Ah voilà. Bon, ok, ça va. Elles sont bien un peu bizarres celles-là. Hein. Qu'est-ce qu'elle récolte? La viande sauvage, juste, ok, ça va. Bon, lui, il en a toujours besoin. Hein. Bon, bah écoutez, on va traverser ça. Je pense qu'il doit y avoir des araignées un peu partout. Je ne l'avais pas vu au départ. Elle se cache. Mais je sais pas pourquoi, je me dis qu'il doit y avoir une plus grosse. Je sais pas. C'est une intuition. En tout cas, c'est pas là que je viendrai m'installer. Hein. Plutôt lugubre comme coin. Très lugubre. Ouf. Ouf. Voilà. Oh putain, ouais bon. Ça, pour l'instant, je préfère les affronter tout seul qu'avec le tigre. Donc du coup, on va se tirer. Et on va continuer notre chemin par là. On va passer au large. Voilà, on va passer par là. De toute façon, on ira se les faire, hein, mais dès qu'on aura un stuff un peu plus... plus conséquent, puis j'aimerais bien pas être avec mon tigre. Putain, il y en a deux. Ouais, 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 ouais. D'accord. Bien. Il y en a deux. Et c'est des boss. C'est des boss, hein. C'est des boss. Ils ont trois têtes de mort, donc c'est des boss. Donc les boss, on a vu que c'était même pas en rêve qu'on se les tapait. En plus cela. Ah ouais d'accord, il s'est mis là où j'étais. Ok. On pouvait passer par au-dessus. Ouais, moi c'est mais bon. Voilà quoi. Du coup, elle était passée par là. Ah, elle vous saute dessus, elle. Putain, ça a été... Allez, on se casse. Hop là. Ah ben voilà, c'est déjà mieux là. Alors j'essaie quelque chose. Bon, toi déjà tu vas rester là. Est-ce que j'arrive à viser une... Ouais, il faudrait que je la voie déjà. Je vais essayer quelque chose. Ah, oui. C'est cela, oui. Ah, là.
Heureusement, c'est bien délimité, du coup, elles peuvent pas venir. Et je vais regarder si je peux pas m'en faire une. À... Merde. D'accord. Un coup de flèche, en fait. Mais une des grosses. Parce que les petites, il n'y a pas de souci. À l'épée, ça, nos problèmes. Et là, on sort du bois soyeux. Et là, on y retourne. Et du coup, c'est quoi? C'est plus de bois soyeux. J'essaie de voir si... Ouais, elle est là. Comment dire? Il faut que j'arrive à monter sur cet escarpement-là. Et je pense que depuis là, j'arriverai à la choper. Si j'arrive à monter là-haut. Ah! Ouais, non, 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 non. Là, je la vois pas, en fait. Là, je ne la vois pas. Je vais essayer de la tirer. L'autre, elle était plus par là-bas. Bon, écoutez, je regarde un petit peu et dès qu'on est en combat, je reviens vers vous. Bon, j'ai commencé à l'affaiblir. Comment dire? J'ai pas pris le contrepoison sur moi. C'est un peu bête. Ah merde. Ah mais elle est morte, elle là. Elle est déjà. Oui, elle est morte. Ah merde, mais j'en ai plus. Ah. Ça va être compliqué du coup. Quoi, quoi, quoi? Allez, allez, allez. Oh! Oh putain, je suis allé où? Elle est derrière moi! Elle est derrière moi! Mon Dieu! Oh putain. Bon. Non, non, cours, cours, cours. Cours, Forest, cours. On se régène. Attendez, on va vite. Voilà. Allez, on y retourne. Non, non. Ah putain. Elle se régène vite en plus, hein. J'ai l'impression. Allez. Non. Ah putain. Allez. Putain. Aïe. Allez, un petit coup de régène. C'est de la régène. Oh putain. C'est bon.
Je suis tombé où là? Elle va pas. Non, faut que je remonte. Mon Dieu. Elle est là, elle est par là. Là, elle est là. Allez, on y retourne. Je reprends ma stam. On y va. Ah putain. Allez. Essayer quelque chose. Elle est où là? Je me régène. De toute façon, l'arc, j'ai plus de flèches. C'est bon, là. Allez. On y va aux, on y va aux dagues. C'est parti. Allez, 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 allez. Elle saigne ou elle saigne pas? Ouais, pour l'instant, c'est moi qui crains. Elle saigne ou elle saigne pas? Elle saigne pas? Comment ça se fait que ça saigne pas, ça? Et par contre, moi, ça craint. Allez, hop. Bon, du coup, ça sert à rien. Elle saigne pas. Vache. Hop là. Elle se reprend un stam. Et on y retourne. On va finir par se la faire. Putain. Allez. Merde, 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 merde. Non. Un petit peu et on se casse. Allez, vite, vite, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ah putain, mais 15 ans à se retourner, quoi. Allez, rage de berserker, ouais. Mais comment ça, c'est de se guérir? Oh putain, putain, mais je vais crever. Le poison, le poison. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Oh merde. Elle est là. Ah ouais, d'accord. Elle est occupée avec autre chose. Ok, très bien. Non, mais c'est bon, on fonce pas trop dessus non plus. Hein. Hop là. Non, mais casse-toi! Putain, mais à chaque fois, quoi, il bouge pas, ce machin. Putain, j'ai plus qu'une potion. Sous la main. Ça craint un peu quand même. Hein. Elle est où là-bas? Ah putain, en plus on est près des trucs. Ah, j'ai plus de stam. Ah, c'est esquivé, c'est pas. Oh, putain, mais ce poison quoi. Qui me fout en l'air aussi. Putain. Il saute dessus. Alors on se régène. Allez, on y va. On y retourne.
Oh, non, non, non. Casse-toi, casse-toi, putain. Oh, voilà ce coup-ci. J'essaie de lui faire attaquer un autre truc. Elle est où? Là-bas. Il lui reste plus beaucoup de points de vie, hein, mais moi j'ai plus grand chose non plus, hein, au niveau de potion de régène et tout. Allez, 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 allez. Allez. Putain. Allez. Putain. Allez, allez, allez. Allez, on se casse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Casse-toi, putain. Comment ça cesse de guérir? Je sais combien il me reste, combien? 3. Mon dieu. Allez, on la retrouve. Elle est dans le coin. Je sais plus, elle est où? Là-bas. Allez, on la termine. Allez, 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 allez. Allez, bah voilà, c'est là qu'il faut faire ça. Merde, 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 merde. Ouais. Oh non, de Dieu. Eh ben, on l'a eu.